fais un petit tour dans les halles du marché. Tour du lac avec Sleva ici, en direct d'Italie, Grazie mille. Il y a le masque, hein, on porte le masque quand même, c'est bien. Ça salut, va? Ça va? Bien, bien, bien. Alors, pecorino siciliano, mozzarella di bufala. Comment ils vont les amis italiens? Ils sont tous italiens ou pas? Todo italiano. C'est vous le chef? Ouais, il a une tête d'italien quand même. Et ça s'est bien passé ce matin? Attends, je vais de l'autre côté, je vous entends pas. C'est joli ici, hein? Viva Italia, mais il faut dire quand même. Ah ouais, ça c'est bon ça. Il y a du monde chez les Italiens. Il faut dire que tous les Savoyards sont italiens, cher monsieur. Il y en a beaucoup. Page autour du lac, Facebook, Instagram. Votre prénom c'est comment? Calogero. Comment? Calogero. Comme le chanteur. Ah mais c'est pour ça qu'il a toutes les femmes. Ah, Calogero, il est italien? Le chanteur. Vous êtes sicilien. Quel est le produit phare, patron? Qu'est-ce que vous vendez le plus en ce moment? Quoi, 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 quoi? Ah oui, arancini. Ah, arancini spinaci. Ils sont vacanciers, ces messieurs dames? Oui. Ah, vous êtes en vacances? Bolognaise. Et vous venez d'où? Ah bon? C'est monsieur qui est en vacances. Oui, c'est lui, il y a plein de... Alors, les arancini, ça marche bien. Comment ça se mange, les arancini? L'aubergine, ouais. Il faut les faire chauffer, non? Vous les faites chauffer? Je sais, alors, je ne pourrais pas vous dire. C'est nouveau pour nous, donc... Ah, c'est vrai, vous êtes d'où? On est du Grand Est, nous. C'est-à-dire les Lorrains? Champagnard, oui, tout à fait. Ah, c'est pas Lorrain, Champagne. Alors, les Lamarne. Ah, mais ben ils sont très sympas les Marnais. C'est vrai, hein? Ouais. Bon, alors la Marne. Oui, oui. Comment on les mange, monsieur l'italien, les arancini? On les fait chauffer? 250. Hein? On les chauffe au four. Ok. Ils sont sympas les Marnais. Au four. Mais le champagne qui est pas loin quand même. Ah oui, oui, oui. Hein? Vous avez amené le beau temps? Ben oui, malheureusement aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous arrivez ou vous repartez là? On va repartir demain. Ah mince. Ah mince, vous êtes baigné dans le lac quand même ou pas? Oui, 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 ça fait bien une bonne quinzaine de jours qu'on est là. Donc on a vous avez l'accent, vous d'ailleurs. Ouais, on a fait une semaine à Aix-les-Bains et on a fait une semaine en Ardèche. Ah, c'est joli l'Ardèche. Là, on est remonté. Vous êtes allé où? Vous êtes repassé par Aix. Et t'as quel âge, jeune fille, toi? 8 ans. T'es en quelle classe? CE2. CE2? Bon, t'as hâte de retourner à l'école ou pas? Ouais. Eh ben, ma fille, c'est pareil. Elle veut retrouver son amoureux. Et ses copines. T'as un amoureux là-bas à l'école? La priorité de l'école, c'est ça. C'est plutôt, c'est joli. Comment il s'appelle l'amoureux? Comment il s'appelle ton amoureux? Vincent. Fais-lui un coucou à Vincent là. Hein, parce que c'est sur Facebook, hein, ça. Dis, bonjour mon amoureux Vincent. Bonjour mon amoureux Vincent. C'est mignon, hein? Oui. Les premiers amours, les premiers fleurs, ouais, c'est beau. Il faut faire attention, oui, effectivement. Mais non, bah, elle a l'air gentille. Hein. Bon, les arancini de chez notre ami italien sur le marché. Merci beaucoup, les Marnais. Bonne journée, merci. Et bon retour, hein. Ils étaient en vacances autour du lac et en Ardèche. Vous étiez où en Ardèche? On a fait du nord au sud. Ah oui, c'est beau l'Ardèche. Hein? Salut mademoiselle, ton prénom, tu m'as dit? Mélina. Ah, Mélina. Eh ben bon CE2, hein. Il y a encore un mois de vacances presque. Merci à vous. Voilà, au cœur du marché d'Aix-les-Bains autour du lac. Moment partagé avec mon marché.